Et bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super bien. Et aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Ouh. Ouais. Bon, on commence maintenant. Et oui, on fait avec les moyens du bord. Bon. Qu'est-ce que j'ai dans mon petit sac? Des trucs avant Noël que je me suis payé. C'est parti. Je vais commencer par en spécial à 29,99 $, le jeu Doom 3 BFG Edition rétro-compatible sur Xbox One, et ça fait plaisir. Ouais. Honnêtement, sérieux, ça fait plaisir, honnêtement. Voyez-vous, moi, le nouveau Doom qui est sorti, le Doom 4 qui est sorti sur Xbox One, pour moi, ce n'est pas un vrai Doom. Pour moi, Doom, c'est une histoire. C'est pas juste genre, t'es dans un couloir et tu tabasses tout ce qui bouge. C'est pas ça, Doom, en passant. Mais bon. Deuxième truc que j'ai acheté, c'est un truc Fallout. Il s'agit de Fallout 76. Fallout 76, la figurine, une petite figurine d'unboxing qui fait toujours plaisir. Pour mettre dans mon curio, ça va être l'idéal. Je vais tout vous faire un unboxing après cette petite présentation. Occupez-vous pas de ce qui se passe en arrière, malgré que je pense que vous risquez pas d'entendre avec un casque de même, on est tranquille. Mais bon, sachez des petites gâteries. Ah oui, des petits bonbons, des ménards. J'adore les ménards. Au sérieux, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Des ménards, honnêtement, ça fait. J'ai tellement pas compté depuis combien de temps que ça fait. Je pense que ça doit faire pas loin d'un an. Ça n'est pas bouffé, mais c'est bon, des ménards. J'adore les ménards, honnêtement. Mais bon, ça, vous n'avez pas besoin de déballage pour ça, honnêtement. Vous savez comment c'est fait, je crois. Ouais, fac. Mais bon, et maintenant, je vais vous présenter le clou du spectacle, jeu sur lequel on va restreamer bientôt, très prochainement. Je l'avais sur Xbox 360, mais vu que les services en ligne ont été fermés, merci Capcom. Dragon Dogma Dark Horizon. Un excellent jeu. Un excellent jeu quand tu veux te défouler, tabasser des monstres et des ennemis. C'est un excellent titre. Un peu dur par moment, mais c'est pas du Dark Souls non plus. Fait que on se calme de ce côté-là. Et maintenant, on va y aller avec le petit unboxing des famines. Ouais, j'ai obligé de mettre mon téléphone de même. Non. Il va-tu marcher de même? Non. Bon, je vais le tenir de même. Whatever. Pas trop le choix. Et puis, merde. Ouais. Bon, de même, mon poids, c'est parfait. Fais juste baisser un petit peu ma chaise. Oh, non, je baisserai pas ma chaise. Bon, la figurine de Fallout, c'est parti. Désolé pour d'avoir été obligé d'avoir tourné la caméra. Désolé pour ça. Évidemment, ça peut donner mal au cœur à certains, mais je m'en excuse. J'ai trouvé une place, c'est pas facile. J'ai hâte d'avoir mon trépied, honnêtement. J'aurais plus besoin de tourner la caméra ou la mettre sur quelque chose de confortable pour qu'elle tienne. Et c'est parti. Ça, c'est la figurine du Vault du Wonder World de Fallout 3 et non Fallout 4. Fallout 3, à cause que vous voyez marqué abri 101. 101, c'est l'abri de Fallout 3. Et vous avez le. Et non l'abri de Fallout 4. L'abri 101, elle a été vraiment éclipsée depuis l'arrivée de Fallout 4. On attend presque plus pour le monde. On a quasiment tout oublié. Je dis quasiment. Tout oublié l'abri mythique intitulé l'abri 101. Et on va essayer de pas trop scraper de carton non plus.
Il y a deux figurines. Il y a le Lone Wanderer, celui que j'ai actuellement. Puis il y a aussi le Power Armor, l'armure vol d'armure, l'armure de la confrérie. Mais ça, l'armure de la confrérie, je ne l'ai pas encore. Ben non, je ne l'avais pas trouvé. Fait que ça va être le seul qui va me rester à ramasser pour ma collection. Je pensais qu'elle avait fait plus que ça. Je suis déçu d'un côté, mais pas grave. Je peux te dire, je vais sûrement avoir une grosse collègue. M'attendait qu'il fasse aussi la figurine de Linden Lion, celui qui était là avant l'aîné, qui était le chef de la confrérie avant l'aîné Maxon. Ben oui, parce que dans Fallout 3, Maxon a quoi, 10 ans, fait que. On s'entend que c'est pas lui qui dirigeait, lol. Ça aurait été drôle pareil, mais bon. Le Lord de Fallout est vraiment bizarre. Ça, c'est un petit carton. Ah, je peux le remettre dedans après le carton, vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon. Oh. Elle est vraiment mince. Oh, la figurine est vraiment plus mince que je pensais, honnêtement. Mais bon. Elle avait l'air plus grosse sur Amazon. Mais bon. Toutes les figurines ont l'air plus grosses sur Amazon. Bon. Et on dézipte ça, on dézipte ça, on dézipte ça. Ouais. Bon. Ça va aller, ça va être trop bien ça dans mon curio. Mon curio, pour ceux qui savent pas, c'est une vitrine. C'est le même qui appelle ça au Québec, des curios. En France, ils appellent ça, je sais pas s'ils appellent ça des vitrines ou autre. Mais bon. Vous voyez, pas plus grande que ça. Ouais, avec son gun dans la main. Ah, Bethesda, je vous aime. Même si vous faites des jeux buggés à l'occasion, je vous aime. Oui, je suis une bime. L'articulation. Ouais, l'articulation est pas très rude. Il faut faire attention. J'ai de la lumière, il va voir si son bras il se plie. Ok, il se plie de même son bras, ouais. Son bras il se plie de même, ouais. Ok, ouais. Regardez, je baisse ça. Je baisse au gun de même, ouais. Bon. Bon. Lol. Yeah, sa carabine, ouais. Elle tient pas. Là, je suis vénère. Je suis déçu de ce côté-là, par contre. Que la figurine tienne pas, je sais pas. Je trouve que c'est une petite déception pour moi, mais bon, c'est pas une grande non plus. On s'entend. Mais bon, c'était pas mal. Cette petite figurine du Wonderwall avec son arme à feu. Je vais mettre ça de côté. Je commencerai pas à jouer non plus à la figurine durant là, cet unboxing. Ça risque de partir en couille assez vite. Et ouais, c'est une vidéo unboxing. Mais bon. Fait que ça va être pas plus tard. Mais bon, maintenant on passe au deuxième. Et 9 minutes. Ouais, ça va vite, mais bon, on continue. Avec Doom! Ouais, Doom de Biff Fucking Edition. Oups, pardon pour la caméra qui tombe. Ce n'est pas mon contrôle. J'ai hâte de voir mon adapteur à trépied. Ça va aider grandement.
Ouais, garde ton câble, Guigebeau, garde ton câble, ben oui, pour tes abonnés, fais-les pour tes abonnés. Bon, je crois que le jeu est détaché du caisse. Ben oui, c'est Walmart, faut pas s'attendre non plus à quelque chose de la mort qui tue. Et ouais, hostie. Désolé pour les gros mots, ça m'écœure. Le CD, il n'est pas scratch, heureusement, mais le caisse est capote. Je vais être obligé de trouver une autre caisse. Et fuck. Non, il tient quand même le caisse. Mais bon, j'ouvrirai sûrement une autre caisse, hein, parce que ce caisse-là est un peu capote. Et j'ai un petit poster, ça fait toujours plaisir. Le petit poster à écrire, c'est vraiment petit. Ouais, vraiment, ça fait plaisir de ce petit côté-là. Et la pièce finale. Dragon Dogma Dark Horizon. Oh yeah! Et c'est parti, on commence maintenant. Ok, on va voir ça. Bon. Et ouais, 12 minutes de boxing, lol. Bon. Jogging commence à être beau. Et voilà, Dragon Dogma Dark Horizon sur Xbox One. Et mes petits bobos ménards que je vais manger très prochainement. Mais bon, je ne vous ferai pas de petite vidéo unboxing sur des bonbons. Je vous l'ai dit, ça serait vous prendre pour des cons, honnêtement. Puis c'est vraiment pas mon but, mais bon. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu, ce petit vlog unboxing. Désolé, ça a été un peu trop long. Mais bon, j'ai très hâte d'avoir mon adapteur à trépied pour vous offrir des vidéos de meilleure qualité. Et oui, car la qualité prime sur la quantité. Ouais, et ça, c'est un truc, un idéal que je défends avec conviction et ardeur. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous déjà. Qui vous aime, partagez, likez, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Ben oui, c'est important de ce sens-là. Ben oui, quoi, c'est pas un truc de vital non plus, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et aussi, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Et c'est gratuit, évidemment, si ça vous plaît, ben oui, c'est plus simple que ça. Mais bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, c'était Gizmo64. Allez, ciao!